بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاك. اللهم ارزقنا حبك ورضاك. اللهم بلعنا سخطك ومقتك يا كريم. آمين يا رب العالمين. أما بعد، بونسوار. Aujourd'hui, je vais ce soir, je vais exposer à votre attention un seul verset du chapitre à Tour à Dieu ou la pénitence. Et voilà, des amis, nous sommes, nous désavouons tous les hypocrites, tous les polythéistes et les athéistes. Nous n'avons aucune relation avec eux, sauf s'ils veulent la paix, on est prêt à signer cette paix-là. Sinon, nous sommes en guerre sans limite. C'est pas nous qui vont faire le mal au départ, c'est eux, mais on a notre riposte qui est licite et voulu par nous. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset 69 de ce chapitre Al-Tawba? كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Donc Dieu il dit que les différentes générations se ressemblent. C'est-à-dire que Dieu, il y a une réalité blasphème, une réalité qui est rebelle, qui ne veut pas obéir à Dieu. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu, même s'ils disent par leur langue, mais dans leur fond intérieur, ils ne croient pas en Dieu. C'est comme si cette création-là n'est pas une création, c'est une génération spontanée. Elle n'a aucun créateur, aucun directeur, aucun connaisseur. Donc vous voyez que ce sont des gens délirants. Mais ils vont le payer, ce délire-là. C'est pas gratuit. Ça va, comment dirais-je, être sérieux dans l'affaire de leur vie ici-bas et dans notre vie qui sera éternelle. Mais à l'enfer. Quel est le public, c'est-à-dire les générations qui vont devancer, qui ont été enterrées à vous, les précédentes, quel est le public, comme Cannes, c'est le même comme pour votre roi, la moelle et la roulette. Ces peuples-là étaient plus puissants que vous, plus riches que vous, plus prolifiques que vous, etc. C'est-à-dire le public, comme Cannes, c'est le même comme pour votre roi, la moelle et la roulette. Et l'histoire la plus sûre dit que ça, c'est vrai. Il y a eu des civilisations très fortes, une civilisation égyptienne, une civilisation de la Mésopotamie, etc., de la Perse, etc. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui a fait un peu de temps, qui a fait un peu de temps, qui a fait un peu de temps. Ils ont vécu dans la jouissance, c'est vrai. Il y a toujours le riz, il y a toujours le sexe, il y a toujours l'alcool, il y a toujours les guerres, etc. Parce que dans la guerre, il y a des gens qui se réjouissent de cette guerre-là, parce qu'ils sont des biseaux de sang. Ce sont des gens qui veulent sacrifier tout, qui veulent brûler tout, qui veulent exterminer toute population, etc. C'est un peu comme ça. Ça se fait maintenant en Occident et en Orient. On ne trouve pas de trêve de leader. Alors que nous, les musulmans, nous avons attiré votre attention sur l'occasion de faire une trêve. Surtout avec les vrais musulmans, vous n'avez pas de perte à risquer. Un accord, c'est un accord pour nous. Or, vous avez voulu l'agressivité et vous avez eu la réponse qui a été cinglante. Même si maintenant vous êtes des musulmans sur la chose que vous tuez. Ce n'est pas les vrais, mais les vrais, ils sont. Si vous avez cru que vous avez, comment dirais-je, triomphé de ces gens-là, vous êtes dans le pays, vous êtes complet. Parce qu'ils sont allés vers Dieu, plus près de lui, ils sont dans le confort, ils sont dans la réjouissance et dans la félicité la plus totale.
Donc vous n'avez pas fait ce que vous avez, comment dirais-je, calculé. Vous êtes dans l'erreur la plus totale. Quand on a un campé comme ça, on cherche des mots comme quoi, tu vois, que moi, je vais le dire. Pour les premiers éléments, vous nous facilitez la tâche que ces gens-là aillent en enfer. Parce qu'ils ne sont pas des ambassadeurs de l'islam. L'islam n'est pas un buveur de sang ou bien un tueur, c'est pas vrai. Nous, nous déclarons la guerre lorsqu'elle est, comment dirais-je, on est obligé de la vivre, c'est tout. Mais nous préférons, nous, la paix. Vous avez tué maintenant la majorité, ce sont les fondus du monde. Et les mauvais salafistes. Canadien, un campé comme Khan, un chef de l'économie. Vous avez créé beaucoup d'organisations qui se disent être musulmans, alors que ce n'est pas vrai. Ce sont vos pions. Alors maintenant, vous retenez contre vos pions, ou vos pions vont vous donner la clé, etc. Et ça, c'est Dieu qui le dit, c'est le prophète Mohammed que la paix d'Allah soit sur lui. Il a dit, d'ailleurs, souvent Allah, il a dit, moi je fais ce que ça dit que Dieu a voulu que cette religion-là soit secourue, soit plus dur, plus sûr, par les gens qui n'ont aucun rapport avec l'islam. Parce que ça dit celui qui est dans les interdictions, dans la rébellion. قال لي انا قبلكم كان وشد منكم قوة الوقت فالاموال واولاد فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاض الطريق ووجدت جبري وزيرون انكونسوبابل. Vous avez commis beaucoup de blasphèmes, etc. Mais ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à votre perte. Donc, c'est pas de l'autre là. Et c'est toujours l'histoire qui se répète. Et à l'instant, tu as le nom de Kabukou, le Kalakou, le Kopou, le Kalifado, où là, il y a Hamza Kamalon. Et vous avez vu que ces gens-là n'ont pas vu de bonnes œuvres. Donc, ils restent bien. Alors que Dieu nous a châtiés par le fait même que ces œuvres-là sont anéanties, elles ne restent pas pour de l'utilité, ou bien, comment dirais-je, donne l'insuccès. Habitat, c'est-à-dire qu'il n'a pas le fruit attendu. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والكبير سيكي سو فردون دولي سبعيد والدلع حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك مخسرون هاي سيزون لا أولئك مخسرون لا تبطل مجوريتي من حتى لك سوني فردون أكون سوني السلام على المتبع المتبع